Ça y a tous, une vidéo qui va durer, on va dire, une quarantaine de minutes, qui sera horodatée dans le descriptif. Comme vous pouvez le voir, je vais parler de Manjaro Linux Gnome, mais celle que vous pouvez vous faire par vous-même. Oui, en partant du netinstall, la version 16.08 netinstall, donc août 2016, commence à faire vieux. Bref, j'ai déjà fait, j'ai testé ensemble, il y a deux, trois surprises que je vous montrerai au fur et à mesure. Mauvaise surprise, j'ai besoin de préciser. Donc, c'est une réponse à la Manjaro Gnome communautaire qui est à déféquer. Bah, il n'y a pas autre mot. Soyons un peu sociables. Donc là, vous trouverez l'horodatage. Comme je vous ai dit, à peu près pour une quarantaine de minutes. Vous aurez qu'à sauter la partie qui vous intéresse. On est parti! Donc là, je vais passer en françaisiche. Et démarrer l'installation. Voilà. Donc je pense que je vais passer directement en plein écran. Ce sera plus simple. Sans, voilà, c'est mieux comme ça. Donc comme d'habitude, c'est une machine virtuelle avec 2 Go de mémoire vive, double CPU, 128 Go de disque dur virtuel et un circuit Intel HD Audio. Voilà. Je ne vais pas préciser, mais maintenant je précise. Bon, là c'est un peu long. Donc on tape deux fois Manjaro. Sans faire de faute de frappe, c'est mieux. Voilà, et on fait sudo clean installer. Donc là, on a un programme d'installation version 0.9.1. On commence par le date et l'heure. Comme je vais prendre une machine monoboot. Ça sera en UTC. Si vous êtes avec un dual boot Windows, c'est local time. On choisit la bonne zone géographique. Donc, on utilise les touches du clavier pour directement sauter la bonne en bon endroit. Donc, Europe, Paris. Je prends le cas d'une personne qui habite en France, n'est-ce pas? Avec le clavier français, tout le bazar. Après, c'est vous qui adaptez en fonction. On va passer à l'auto-préparation. Non, je ne veux pas de GPT, je veux du bon vieux. MS-DOS, voilà, comme je... La seule truc que je mets, c'est 4 Go de swap. Après, c'est vous qui voyez. Je mets 20 Go de partition route. On n'est jamais trop prudent. Voilà. On met tout en extension 4. Go, go. Si vous êtes bien sûr en UEFI, vous prenez le partitionnement GPT et avec les réglages qui vont bien, ne serait-ce que pour la partition route et compagnie. Par contre, si vous êtes en UEFI avec un SSD, pas de swap. Sauf si vous voulez griller plus rapidement votre SSD. C'est vous qui voyez. Donc là, cette installation est quand même assez automatisée. Il est à peu près pour 5 minutes. Donc j'essaie de meubler. Voilà. On installe le système. Donc il va extraire ce qu'on appelle des fichiers squash.fs. En gros, il va copier le contenu du dossier qui date du mois d'août, donc c'est un peu vieux. Il y aura quelque chose comme 200 mises à jour ou 250 mises à jour à faire après. Ils ont pu quand même proposer une ISO 16.10, voire 16.12 en netinstall, soit t'es pas plus mal que ça. Dommage qu'à 16.08 soit la dernière netinstall disponible. Ça donne des mises à jour un peu longues après l'installation. C'est pour ça que je ferai un Pacman Mirror-G, histoire, bon, même si ça prendra 1 minute ou 1 minute et demie, ça fera gagner bien 5 à 10 minutes au moment de l'installation. Donc en gros, je vous avance aussi un peu ce que je vais faire. Je vais installer la base de GNOME, une fois c'est installé, et je rajouterai les outils comme LibreOffice et compagnie, une fois GNOME installé. Bien sûr, je rajouterai les outils comme le PAMAC, comme Manjaro Setting Manager et compagnie. Mais là déjà, au moins, on aura quelque chose de léger et de brodable. On pourra broder autour. Même si GNOME est un peu long à installer. Donc, vous voyez, pour le moment, il n'y a rien de bien sorcier. Ok, la base est installée, on la configure.
Dommage par contre que ce soit pas traduit en français, mais c'est tellement de l'anglais de basique que on va pas non plus en mourir. Voilà. Là, c'est la partie un peu longue, n'est-ce pas? Un peu beaucoup longue. Même carrément longue. On se demande même si la connexion réseau n'a pas planté. Bon, est-ce que t'es planté ou est-ce que t'es pas planté? On va voir tout de suite et ça continue. Ah oui, ça continue de chercher. Donc là. Ça y est! Il est un peu long. Je ne suis pas planté, juste un peu long. Dommage. Donc, qui nous lance la configuration systemd? Je sais, c'est pas bien. Voilà, donc là, on passe à la configuration du système, le mot de passe-route, le compte utilisateur. Oui, on va garder les droits administrateurs, c'est quand même plus pratique. Le clavier. Donc, je vais prendre le clavier français, comme ça je l'aurai dès le départ dans Xorg et dans GNOME. Même si GNOME utilise Wayland par défaut maintenant. Du moins en théorie. Donc, juste modifier le nom d'utilisateur, enfin le nom de la machine, histoire d'avoir quelque chose de parlant. C'est pas obligatoire, mais voilà. Donc, le reste, on peut descendre jusqu'en bas. Il génère les fichiers de traduction. Un noyau 4.4.19, je crois qu'on en est au 4.4.38 ou 39 dans ces eaux-là. Donc il y a quand même quelque chose comme 18 à 20 versions intermédiaires qui sont passées entre-temps. Merci Manjaro d'avoir proposé une image netinstall plus récente. Merci beaucoup. Donc. Voilà, on installe le gestionnaire de démarrage. Comme étant BIOS, on reste en BIOS. Sinon, vous adaptez en fonction, bien sûr, de votre machine. Que ce soit BIOS ou UEFI, les principes, c'est la même chose. Donc, comme c'est automatisé, c'est quand même beaucoup plus simple. Bon, GRUB est un peu long à installer aussi.
Voilà. Et on redémarre. Donc là, on va avoir notre base installée, notre base minimale installée. Ça, je vais réduire. Notre base minimale installée avec un noyau 4.4.19 qui sera mis à jour avec quelque chose de plus récent, système D231 qui va passer au 232, et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi il met un Plymouth dans la version originale pour pas montrer ça. C'est vrai, c'est tellement effrayant. Donc là, je vais me connecter en utilisateur normal. Et je vais commencer par faire un Pacman, enfin, sudo Pacman mirror-g. Pourquoi? Ça va faire gagner du temps l'installation des mises à jour. Mieux vaut perdre une minute maintenant que 8 à attendre. Et pourquoi il est aussi là? Pourquoi il est aussi long? Comme ça aussi, ça permet de virer les miroirs qui sont morts. C'est pas super obligatoire, mais c'est quand même plus agréable. La partie suivante, ça sert à mettre à jour les trousseaux de clés, ce qu'on appelle les keyrings, qui permettent de signer les paquets. Parce que maintenant, les paquets sont signés par des clés de sécurité. Ça évite de se retrouver avec des logiciels déroulés. Du moins en théorie. Par exemple, le miroir en équateur. Bon, déjà un ou deux miroirs d'équateur qui sont virés. Pourquoi il y aurait les garder? Je sais, j'aurais pu prendre quelque chose de plus restreint géographiquement, mais par sécurité, je préfère en prendre le maximum de dépôts. On n'est jamais trop prudent. Donc, t'as un dépôt qui va être mort aussi. C'est vrai que c'est les dépôts morts qui sont les plus chiants parce qu'il va y avoir un timeout un peu plus court que celui imposé par l'outil. Ce serait quand même pas plus mal. Donc déjà le miroir irlandais est mort, dommage. Enfin, l'adresse pour le miroir irlandais est mort. Le miroir roumain c'est pareil. Enfin, un miroir roumain c'est pareil. Voilà, donc maintenant on fait yaourt.syyua. On va mettre les dépôts à jour en rafraîchissant bien. Et là, on va rajouter les Manjaro qui appellent enfin, Arch Linux Keyring, les Manjaro. Voilà, c'est pas ce que vous voulez faire, pardon. Non. Je vais finir le record de frappe. Donc là, je vais faire yaourt.s Manjaro Keyring pour les. Trousseau de clé Manjaro. Excusez. Voilà, ça met à jour aussi les paquets. Quand ça fait un SMS. Excusez, non, c'est pas bien grave. C'est les personnes qui sont têtues. Voilà. Donc, je disais, j'aurais dû couper téléphone. Voilà. Donc, je vous disais que j'aurais dû couper téléphone. Voilà. Nous y étions donc.
Il n'y a personne qui ne peut pas lire le SMS, ça me gonfle. Là, j'installe ça. Maintenant, on va passer aux mises à jour. Maintenant que les paquets des clients ont été mis à jour, on va installer les mises à jour. Donc, il y a en gros, vous voyez, il y a pas mal de petits trucs qui vont être mis à jour. Oui. Et on accepte chaque modification. Donc, il y a en gros pour 269 mégas. Voilà, on va laisser faire les mises à jour. Donc, ce que j'ai fait, c'est que le Package Manager au système a contourné le bug de la mise à jour de TTF déjà vu, qui est un peu chiante. Cool. Donc là, on va passer au noyau 4438, je crois. Oui, 38. Et c'est quand même agréable d'avoir utilisé des dépôts rapides, n'est-ce pas? Même si je n'ai pas la fibre comme Adrien D, je te déteste Adrien D, de Vigilistrique, en tout honneur bien sûr, c'est quand même agréable d'avoir des dépôts qui dépotent un peu. Oh, jolie celle-là, des dépôts qui dépotent. Je la ressortirai. Après, je vais redémarrer la machine virtuelle et j'installerai GNOME et GNOME Extra. Sans oublier, bien sûr, les outils comme PAMAC et Manjaro Setting Managers. Et enfin, on pourra fignoler l'installation. Et encore à peu près pour une quinzaine, une vingtaine de minutes. Étant donné que GNOME est un environnement très léger. Plus léger que KDE, c'est pas difficile, mais très léger quand même. Bien sûr, c'est une base que je vais vous donner, après vous broder en fonction de vos besoins. Là, il remet à jour les paquets miroirs. Bon. J'aurais pas dû le faire auparavant, mais comme il a mis à jour les serveurs de miroir, enfin les serveurs de dépôt, autant en profiter. Il y a, en gros, j'avais payé 200 mises à jour, il n'y en a que 177. Donc je n'étais pas très loin. À une vingtaine près, hein, faut pas chipoter pour si peu. Ça rajoute des dépôts, donc pourquoi pas? Joie. Bon, il y a toujours des dépôts qui sont longs à répondre, n'est-ce pas? Que c'est long par moment. On dit plus c'est bon, mais ça dépend. Hein. Ça dépend vraiment des périodes. Voilà, parce qu'il voulait pas répondre, ce con. Je pense que la liste des miroirs a besoin d'une petite purge complémentaire.
ne serait-ce que pour le dépôt irlandais et le dépôt, un dépôt indonésien. Enfin, je dis ça, hein, mais je dis rien au final. Voilà, donc il va nous installer ensemble. Maintenant, c'est assez rapide. Là, il nous met à jour le noyau, un 4.4. Après, bien sûr, on peut toujours passer par le Manjaro Setting Manager si on veut notre noyau. Voilà, donc dans 2 minutes, il a redémarré. Voilà, il finit de virer tout ça. On va peut-être nettoyer le cache. Ouais, tant mieux, on va nettoyer le cache des paquets. Voilà, donc on va virer les paquets inutiles, Qlity, pour virer les paquets orphelins. Et on fait un petit vide du cache. Voilà, maintenant on fait SU, on se connecte le mot de passe route et reboot. Voilà, donc il va redémarrer sur le nouveau noyau. Donc on a fait déjà la première partie, maintenant la partie la moins chiante arrive, enfin moins chiante au niveau des lignes de commande, à savoir installer GNOME. Par contre, un bug que j'ai rencontré avec Manjaro, c'est qu'il n'installe pas le paquet base level. C'est un peu chiant, parce que si on veut faire recompiler le logiciel, sans base level, c'est un peu chiant. Donc, je le rajoute. Et puis, comme il y a des outils base level qui sont nécessaires pour le paquet GNOME Extra, autant les installer. Ça fera gagner du temps par la suite. Ça ne mange pas grand-chose. Pour à peine 213 mégas, on va pas non plus en mourir. Voilà, moi comme ça on est sûr et certain que s'il y a des outils, on a besoin de recompiler des paquets par la suite, on pourra le faire sans qu'il y ait des gueulantes. Donc on va commencer déjà par installer les outils de Manjaro. Comme ça, bon, ça sera fait. À savoir Manjaro Settings Manager et PAMAC. Alors, Manjaro Settings Manager. PAMAC, il y a aussi un outil, je crois que c'est Manjaro Print Settings. Printer Settings ou Print Settings, je ne sais plus. Donc, ça sera Print Settings. Non, mais tant pis. Je chercherai avec PAMAC. Je ne me rappelle plus comment s'appelle l'outil en question. Printing Manager. Comme ça, on est sûr et certain d'avoir les outils de PA de Manjaro. Qui sont bien pratiques, faut-il le préciser. Je crois que c'est Manjaro Print Manager. On va essayer, on va chercher comme ça. Yaourt-moi SS Manjaro Grep Print. Manjaro Grep
Manjaro Printer, voilà. Je ne reparlais plus du nom complet, donc c'est Manjaro Printer qui va nous installer tout ce qu'il faut pour les imprimantes. Même si c'est un peu surdimensionné, au moins on sera tranquille. Et on aura toujours Cubes installé. C'est pas plus mal comme ça, moi. Si on a l'imprimante, c'est pas obligatoire, mais si on a l'imprimante ou on veut en rajouter une par la suite, on l'aura toujours installée. Voilà. Ça peut pas faire de mal. Donc on verra faire après que les services sont bien lancés. Mais maintenant, on va faire un petit clear. Et on va faire yaourt-s gnome. Gnome extra. Pour installer gnome, bien sûr. Et puis system config printer. Comme ça, on va avoir tous les outils pour l'impression. Voilà, voilà. Donc on prend le premier. 390 mégas, donc on va dire 3 minutes de récupération, 5 d'installation. Et une fois, ça fait de travaux à côté de chez moi. C'est bon, t'as fait une pété toi aussi? Donc, nous en disons. Donc, une fois que ça sera terminé, je vais lancer GDM. Avec un système CTL start. Et après j'utiliserai PAMAC pour installer certains outils. Et je vais vous montrer un petit bug que j'ai constaté avec Wayland. Si Wayland veut bien se lancer. Ah oui, j'oublie aussi, je vais installer GNOME Software, GNOME Logiciel, justement pour avoir ce qu'on appelle les regroupements, je ne sais plus comment ça s'appelle, les dossiers d'application, je crois, dans GNOME. C'est quand même plus agréable. Mais déjà, il faut installer entièrement GNOME en dehors de l'environnement graphique, par sécurité. On peut toujours tomber sur des bugs un peu casse-bonbon. Oui, et ça peut faire mal. Non, pour le moment, c'est pas super complexe. Il y a quand même beaucoup plus complexe que ça. Vous voyez que le serveur Wayland est installé. Xorg serveur xWayland. Voilà, il y a 406 paquets à installer. C'était un peu beaucoup, mais il y a pire. Je crois que les KDE applications, plus que ce KDE lui-même, ça doit faire dans les 700 paquets, un truc comme ça. Enfin, vérifier. Hein. Si vous pouvez me confirmer ça dans les commentaires, je suis preneur. Donc il va y avoir un gros paquet qui va être vérifié là.
Voilà, c'est bon, ça avance. C'est pas si compliqué que ça, c'est à peine plus long qu'installer une Manjaro GNOME classique, mais c'est beaucoup plus léger au final et beaucoup plus fonctionnel. Et surtout, vous êtes certain d'avoir quelque chose qui sera utilisable sur le long terme. Enfin, je dis ça, mais je dis rien. Voilà, donc l'installation se passe tranquillement. Enfin, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme on dit. Pas de gueulante, c'est parfait. Donc, je vais virer les paquets maintenant, histoire de gagner un petit peu de place. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, on va virer tous les paquets histoire de gagner. Mince. Histoire de gagner un peu de place. Donc on en est à 4 Go 2. C'est pas si mal que ça. Donc on fait sudo systemctl start gdm. On est parti. 2, 3. 4, 5, 6, 9, 10, 11. Donc, en espérant que. Voilà. Bon. Le premier démarrage de l'IDM est un peu long. De GDM, pardon, est un peu long. Et bien sûr, on a les trois sessions GNOME, GNOME classique et GNOME Surveillance. Donc. Je vais essayer de lancer cette version-là pour voir ce que ça donne. Donc, c'est GNOME Surveillance est toujours un peu plus long que le GNOME classique. En tout cas, c'est. Ça dépend au démarrage. Donc, je vais aller dans les réglages. Virer le clavier anglais qui ne me sert plus à rien maintenant. Pour ne garder que le clavier français. J'ai comme l'impression que c'est du GNOME Surveillance parce que. On va vérifier après. Donc, pays et langue, on va virer ce clavier qui ne nous sert à rien. Détail. Ah, oh, GNOME Surveillance! Yes! Donc, on va voir combien il nous mange au démarrage. De manger dans les 600 mégas, je suppose. Donc, on va faire le terminal. Pas terminal. Le moniteur système. Mais. Ce, voilà, moniteur système. Et on est à plus de 800 mégas au démarrage. Bon, c'est normal parce qu'il y a pas mal de petits trucs qui sont à charger. Bien, parce que j'ai tout Epiphany qui doit quand même être. Qu'est-ce qui mange le plus? Moi, c'est GNOME Shell avec Wayland. Hein. Il n'est pas gourmand. Donc, ça c'est bon, ça démarre. Maintenant que ça démarre bien, je vais activer
Donc on est presque 900 mégas pour un homme sous Wayland. J'en reviens à 900, bien sûr. Alors, enable pour activer notre ami GM. Donc je vais voir si il y a Cubes qui est activé ou pas. C'était peut-être. Non, il n'est pas activé, on l'activera après. Donc là, voilà. Donc on a quelque chose de quand même de relativement rapide, même pour du GNOME sur Wayland. Voilà, on a tout ça installé. Donc avec PA-Mac, on va rajouter certains outils qui nous manquent. Donc, état, paquet orphelin, non, bon, il ne va pas y avoir. Paquet étranger, il n'y en a pas. En attendant, il n'y en a pas. Ok. Donc, on va rechercher Manjaro Setting Manager. Manjaro GNOME, par contre. Mais je ne l'installerai pas. C'est juste pour avoir les paquets qui vont être installés. Donc, appliquer. Donc, il nous faut. Alors, Manjaro GNOME Settings. Donc, je vais juste installer. Les GNOME Wallpaper, ArcTem, Maya. Voilà. Donc je ne vais pas par contre installer parce que ça va foutre sa merde. Juste installer le GNOME Wallpaper et les ArcTem Maya. Wallpaper, donc ça je disais. Voilà. Ça j'en veux pas. ArcTem Maya. Arxem Maya et Vertex Maya, histoire de prendre les icônes officielles du jeu d'icônes Maya GTK3. Voilà. Et j'applique. Voilà. Je vais essayer ça uniquement pour manjariser l'apparence de GNOME. Est-ce que j'ai GNOME? Je crois pas. Non, j'ai pas installé GNOME Software. Je l'avais oublié. Pas bien. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc, pendant ce temps-là, je vais lancer GNOME Tweak Tool pour justement personnaliser un peu l'apparence et la rendre plus Manjaro compatible. D'accord. Alors, le thème, je vais prendre Arc Maya. Dark. Le jeu d'icônes. Ah, il n'est pas encore installé. Donc, là. Vertex. Maya Iconsem. Voilà, j'avais oublié d'installer les icônes. Oups! Voilà. Donc, le Maya Iconsem. Donc, en attendant la barre supérieure, on va mettre la date au complet. C'est plus agréable. Les fenêtres, je vais activer les boutons de minimisation et de maximisation. Et là, maintenant, normalement, si les icônes sont installées. Voilà. On va installer les icônes comme ça officielles du thème de Maya, de Manjaro. Donc là, je vais rouvrir GNOME Tweak Tool. Et maintenant, je vais les icônes Vertex Maya. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Même si on n'aime pas trop, mais j'ai quand même voulu respecter l'ensemble. Donc là, maintenant, on va se déconnecter. On va redémarrer. Pour avoir quelque chose de plus léger. Enfin, déjà avoir plus léger entre guillemets. Mais... Donc, on lance l'ensemble.
Et maintenant, on va fignoler l'installation. On va rajouter les derniers outils, quoi. Vous avez vu, c'est pas super complexe, c'est un peu long, désolé, mais au moins on a un truc utilisable. Et on est certain de ne pas se retrouver avec quelque chose qui vous plante, qui vous pète à la gueule parce que les extensions partent en cacahuète. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Voilà, en gros, il faut compter une douzaine de secondes. C'est quand même mieux que les 14 ou 15 dans l'ADM. Donc là, on va lancer Gnome. 2, 4, 5, 6. Voilà, donc là, on s'entre Gnome sous Wayland, je suppose. Donc, je vais voir si le bureau, donc paramètres. Donc détail, Gnome sur Wayland, c'est très bien. Ensuite, voyons, non, ça c'est bon. Imprimante, il faut juste que j'active, bien sûr, CUPS. Donc là, on va passer par le Manjaro Setting Manager. Je crois que paramètres. Ah non, c'est pas celui-là que je voulais. Ce n'est pas celui-là. C'est le Manjaro Setting Manager. Voilà. Gestionnaire de paramètres Manjaro. Manjaro, gestionnaire de paramètres. Donc, tiens, il démarre pas. Est-ce que ça serait comme mon précédent test? Donc, on fait Manjaro Setting Manager et Esperluette. Bon, apparemment, le Manjaro Setting Manager n'est pas compatible avec Wayland. C'est pas grave. On ferme la session. Et on va passer à la session Xorg. Donc, on va mettre Gnome sur Xorg. Et on va compter le nombre de secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Une quinzaine de secondes, la vitesse de démarrage classique d'un homme. Voilà. Ah, vous savez quand même, on voit la différence sur la fluidité. Donc, le Manjaro Setting Manager. Oui, on voit quand même la différence de vitesse, hein, entre un homme classique et un homme Zoweyland. Hein. Il n'y a pas à dire, c'est plus rapide. Voilà. Donc, les paquets linguistiques, on va les installer. Il n'y a pas à dire, c'est quand même un brin plus rapide, Gnome sur Xorg. On va rester avec Gnome sur Xorg, donc. Et côté mémoire vive, je pense quand même qu'on doit être beaucoup moins gourmand. Ah non, on est dans 900 mégas, toujours. Bon, mais autant pour moi, c'est aussi gourmand que l'autre. Mais c'est quand même beaucoup plus rapide Gnome sur Wayland, enfin, Gnome sur Xorg que Gnome sur Wayland. Il n'y a pas photo. Donc là, on va passer avec PAMAC. Donc, on va rechercher LibreOffice. Là, on va finir l'installation. Hein. Donc, c'est pour ça que je vais faire une installation groupée. LibreOffice. Ensuite, on va prendre, moi, je sais pas, Firefox par exemple. On va prendre Shotwell pour les images. On va mettre Lollipop, tiens, pour la pour l'audio, comme pour la version. Lollipop, voilà. Comme pour la version GNOME officielle. On va prendre Lollipop, j'aurais bien pu prendre Rhythm Box, je vais prendre Lollipop. On va rajouter les greffons. Je vais essayer de s'installer. Bon, je vais rajouter ça aussi par sécurité.
et ça aussi, parce qu'ils ne sont pas installés, c'est pour avoir un maximum de support audio. Pour la vidéo, on va prendre MPV. Qui remplace très bien VLC, même si l'interface est beaucoup plus restreinte. Et pour terminer, qu'est-ce que je peux... On va mettre GIMP. Voilà. GIMP, pas besoin d'être en ligne. Voilà. Et on applique. Validé. Donc pendant ce temps-là, on va activer certains services comme CUPS, systemctl enable org.cupsd, cups.cupsd, je crois, ou cupsd.cups, je ne sais plus. C'est cups.cupsd, autant pour moi. On va le lancer, comme ça au moins on aura le support des imprimantes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui n'est pas lancé, qui est indispensable? Bon, on verra après au fur et à mesure, mais au moins déjà on a le support des imprimantes. La preuve. Voilà, donc si on veut rajouter une imprimante, maintenant on peut tranquillement. Donc c'est bien sûr en français. Les icônes doivent être un peu grosses, donc on va quand même leur réduire un peu la tronche. Je crois que c'est ce bouton-là. Voilà. C'est quand même plus agréable comme ça. Donc vous voyez là. Et voilà, on a notre gnome manjarisé et utilisable. Bon, je vais peut-être passer un peu les 40 minutes, avec un peu de blabla, mais j'avais pas autre choix. Mais là, quand même, on est vraiment dans de l'utilisable. C'est, somme toute, assez rapide. Et surtout plus utilisable que la version officielle de la Manjaro Gnome. Elle sera légèrement plus complète aussi, donc c'est pour ça qu'elle est légèrement plus lourde. Mais au moins, on a quand même quelque chose qui ne demande pas 15 secondes pour charger le démarrage. Donc dans les logiciels, qu'est-ce qui est installé et disponible? Ah, on doit voir Shotwell qui est là, oui. Évolution. Donc je suppose que LibreOffice va pas tarder à être disponible. Lollipop, pourquoi pas. Moi j'aurais pu très bien aussi utiliser Rhythm and Box, mais j'ai voulu mettre Lollipop. Après tout, pourquoi pas. Donc LibreOffice doit être disponible, je suppose. Voilà. Donc on a notre ami LibreOffice. Voilà, LibreOffice Writer. Je lance. Voilà. Donc, on a LibreOffice Writer en anglais, ah, en anglais, en français, pardon, la version 5.2. Voilà, donc c'est bon pour ça. Donc, aussi, on a Firefox qui est en français. La 50.1, je suppose. À moins que Manjaro ait un petit peu de retard au niveau de Firefox. Fenêtre. 50.0.2, donc il va bientôt avoir la mise à jour de Firefox. Voilà. Le dernier truc qu'on va faire, c'est changer le fond d'écran. Donc on va. Voilà, dans les paramètres. Fond d'écran, donc arrière-plan. Alors,
On va prendre un fond d'écran autre. Ben, je vais prendre celui-là, tiens. J'aime bien parce qu'il est reposant. Voilà, et vous avez votre Manjaro gnomisé avec quelque chose d'utilisable. Ben, dans les paramètres, on va dans les détails. Et on a le Manjaro Gnome qui tiendra le choc sur le long terme. Voilà. 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 Donc j'ai plus qu'à éteindre. Voilà, vous avez vu la vidéo. Elle était un peu plus longue que prévu. Je suis désolé. Mais au moins, vous avez vu comment on peut se faire une Manjaro Gnome depuis le départ. En une quarantaine de minutes et encore, j'expliquais, donc ça pourrait être plus rapide. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous donnera envie de tester. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye!